Alors on commence cette revue de presse avec un, un article euh, polémique, enfin plutôt c'est euh, ce projet de loi qui est euh, polémique, c'est sur euh, la réforme de la fonction publique. Et il euh, y a plusieurs points hein, qui sont euh, vraiment euh, tendus dans ce, dans ce projet de loi, et notamment bah, le point sur euh, les contractuels, avec cette, euh, cette peur, cette crainte que les contractuels, à terme, remplaceraient les fonctionnaires euh, titulaires. Donc, c'est vrai qu'il y a cette, cette crainte d'alignement sur le privé qui plane un peu euh, sur, euh, sur la fonction publique avec des risques de précarisation donc euh, des fonctionnaires. Déjà, l'article nous propose, donc c'est un article sur sudouest.fr, on nous propose euh, un petit peu de, bah, de chiffres euh, pour commencer. Et euh, nous, dans la territoriale, on a à peu près un poste sur cinq qui est euh, attribué à un contractuel. Donc, on a déjà une situation. Euh, contrairement à ce que nous dit euh, l'exécutif le, actuellement, on a déjà quand même 1 sur 5, euh, quasi 20%, c'est quand même un nombre assez euh, conséquent, donc il y a déjà une certaine souplesse de chez les euh, employeurs territoriaux, hein, on n'est pas euh, arquebouté sur euh, le statut, euh, voilà, il y a quand même une certaine souplesse déjà au sein de la territoriale. Mais pour l'exécutif, c'est pas assez, puisque euh, l'idée c'est de euh, diversifier les profils, on nous dit ici, puisque pour certains postes, et ça peut être vrai, hein, pour certains postes assez techniques, euh, dans le vivier des fonctionnaires, on ne trouve pas forcément le bon profil. Donc euh, l'exemple qui est pris, hein, souvent, c'est l'exemple de l'informatique, où on ne retrouve pas forcément euh, exactement les compétences nécessaires euh, dans, euh, dans ces profils de personnes qui ont réussi les concours. Donc c'est vrai que présenté comme ça, bon, il y a une certaine logique, et en plus on nous indique que le principe reste le recrutement sous statut, donc par la voie traditionnelle, concours, etc., et que le contrat serait toujours une exception. Donc c'est vrai que présenté comme ça, à la limite, on, on voit pas le problème, enfin voilà, ça, ça tombe un peu sous, sous la logique, mais le problème qui se pose, c'est que ce, ce texte, a priori, va vraiment, va considérablement élargir les cas où euh, c'est possible de recruter, donc c'est ce qu'on nous dit ici, soit un fonctionnaire soit un contractuel, euh, en incluant les postes de direction, ça j'en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes, et donc cette question de l'élargissement, comme les, on va dire que pour l'instant ce n'est pas encore super précis dans les contours, et eh bien certains euh, s'inquiètent, et euh, bah, notamment de, les syndicats et l'opposition craignent un alignement sur le privé, donc qui remettrait euh, complètement en cause le statut de fonctionnaire et qui, au-delà de ça, au-delà de la protection du statut, qui en soi est, selon moi, déjà un, un argument suffisant, mais il y, y a derrière ça une, une véritable question liée à l'indépendance des agents, et donc au bon fonctionnement des services publics. Un agent contractuel et un agent sous statut, ce n'est pas tout à fait la même chose dans le sens où le contractuel, pour dire les choses clairement, il est moins en position de force si jamais il remarque des irrégularités ou si son chef lui ordonne des choses qui ne sont pas légales. Ça va être beaucoup plus difficile pour le contractuel de s'opposer que pour un fonctionnaire classique qui, par la protection de son statut, est plus à même d'avoir une position, notamment vis-à-vis -vis de sa hiérarchie, qui favorise la qualité du service public. Voilà, donc affaire à suivre, là les euh, discussions euh, battent leur plein, donc euh, ça va être euh, encore, il euh, y aura sûrement beaucoup d'amendements proposés, de discussions, donc on verra à quoi ça aboutit. Un article ensuite sur la gazette.fr à propos des 80 km/h, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, donc euh, tu sais, le Premier ministre a évoqué le fait qu'on pouvait assouplir cette règle des 80 km/h, et notamment euh, ce seraient les départements qui seraient en charge de cette politique. Alors, justement, dans cette démarche d'assouplissement de cette limitation de vitesse, on veut, enfin, les départements font un peu un rétro-pédalage en disant attention, nous on veut bien de ça, mais on veut une responsabilité partagée. On a le président de l'Assemblée des départements de France, Dominique Bussereau, qui estime que voilà, il est nécessaire d'associer la décision des présidents de département à un avis du préfet. C'est ce qu'on nous dit en préambule. Et donc pour le dire un peu euh, rapidement, on a euh, en gros État et euh, départements qui se jettent la patate chaude en disant ok si vous voulez euh, remettre des tronçons à 90 km/h il faudra assumer derrière les euh, éventuelles conséquences. Et l'argument que, euh, que mettent en avant les départements c'est le fait que la sécurité et la commodité des transports sur euh, les routes sont un sujet d'intérêt général. Et donc ce n'est pas juste les départements qui doivent assumer cette question de sécurité routière, c'est plusieurs acteurs qui sont concernés par ce sujet. Alors ensuite un article sur la gazette.fr à propos du maintien ou de la remise en cause des filières dans la fonction publique territoriale. Tu sais que c'est une particularité de, de chez nous par rapport à, à l'État où on a des concours d'entrée qui sont différents en fonction des filières. Donc tu as la filière administrative, filière technique, etc. Et on nous rappelle en, en préambule que souvent, dès qu'il y a une discussion sur une transformation de la fonction publique, donc là actuellement c'est le cas hein, avec le projet de loi, eh bien, il y a toujours des voix dans les plus hautes sphères qui se font entendre euh, sur euh, l'éventuelle disparition de cette organisation en filière, au moins pour les cadres A et voire même B, on nous dit ici, et avec, selon l'auteur de, de ce billet, un, une cible privilégiée qui serait la filière technique. Alors on nous rappelle d'abord que c'est la loi du 26 janvier 84 qui a défini cette organisation avec 8 filières dans, dans, cette, dans la territoriale. Et que ce découpage, il n'est pas, pas sorti d'un chapeau, il est issu de, de la réalité de terrain. Et que ça permet d'avoir des bonnes conditions pour avoir une, une véritable expertise publique dans des domaines justement très techniques. Parce que même si effectivement, quand on, on est fonctionnaire, et a fortiori, bah, quand on est, on est cadre, hein, quand on encadre une équipe, il faut une forte culture générale, il faut avoir une vision pluridisciplinaire, il faut avoir une certaine capacité d'analyse des situations, bien sûr, et euh, du savoir-être. Bon, ça c'est un peu euh, les, euh, les aspects généraux, qui sont bien sûr très importants, mais qui dans certains cas ne suffisent pas, euh, notamment sur euh, voilà, des services vraiment très techniques, par exemple comme euh, l'urbanisme, où là c'est quand même mieux d'avoir un chef. Qui, euh, bah, qui comprend bien les enjeux, qui comprend bien la technique, et qui du coup est plus à même de bien manager son équipe, puisque lui-même connaît quand même un minimum les réalités de chaque agent, même s'il les a pas forcément expérimentées, s'il a eu un parcours d'étudiant, qu'il commence directement en tant que cadre, mais il a quand même les, les connaissances théoriques sur, par exemple, ici, l'urbanisme. Et puis, ce qu'on nous dit aussi, c'est pour, euh, finalement, une certaine diversité dans la fonction publique territoriale, c'est que ce concours spécifique, hein, donc euh, de, dans la technique, dans la filière technique, c'est que euh, ça permet d'amener des euh, étudiants qui viennent de cursus scientifiques et techniques, justement, ce qui n'est pas forcément une majorité de, des profils sociologiques hein, qui, euh, qui se présentent au concours de la fonction publique territoriale. On a quand même une surreprésentation des filières... Euh, économique, euh, juridique, sociologique, euh, bref, des, euh, des filières plutôt euh, sciences humaines. Donc euh, là, c'est vrai que cette division en plusieurs filières, avec notamment pour le concours d'entrée l'obligation euh, parfois d'avoir un certain titre, un certain diplôme euh, plus ou moins technique, ça permet une diversité de, dans la fonction publique territoriale qui, euh, qui est intéressante. Ensuite, un article toujours sur la gazette, donc là plutôt une interview, sur le projet de loi fonction publique. Et donc, on a un député de la République en marche qui est euh, rapporteur sur ce projet de loi, fait le point sur euh, cette, cet examen du texte. Au sein de l'assemblée nationale alors le titre est un peu euh, choc mais c'est vrai que ça, ça résume bien le une partie en tout cas de l'interview qui est euh, les employeurs territoriaux ne sont pas obligés de générer la précarité alors moi sur facebook ce que je mettais c'est un peu euh, ironique de, euh, bah, de mettre de donner les conditions que l'état donne finalement les conditions de la précarisation d'un plus grand nombre d'agents de la territoriale hein, on organise ça finalement, et derrière, ça serait les collectivités et non pas l'État qui auraient la responsabilité de, de, bah, de cette future précarisation grandissante. Et bah, on le voit un moment dans l'article, ce qui dit, c'est qu'on ne va pas forcément mettre des quotas euh, et derrière, ce sera aux collectivités de prendre leurs responsabilités. Sauf que dans certains cas, on peut se retrouver avec des services entiers euh, remplis de, de contractuels Bon, voilà, on peut quand même se poser la question de la qualité de service public rendu. Alors, non pas que les contractuels soient des moins bons agents. Moi, j'ai été contractuel un bon moment et je ne me sentais pas moins investi que j'ai pu l'être après en étant titulaire, ça, clairement. Mais par contre, pour dire les choses clairement, je n'ai pas été recruté par copinage. Alors qu'il euh, peut toujours y avoir un doute quand il y a un recrutement d'un contractuel, et notamment si cette... Euh, contractualisation elle peut être plus massive, on peut quand même se poser la question de la relative indépendance, alors indépendance avec beaucoup de guillemets, euh, peut-être euh, autonomie, dirons-nous, d'un agent face à des supérieurs, voire à des élus, qui euh, voudraient passer des, des ordres manifestement illégaux ou qui favoriseraient euh, voilà, tel ou tel copain ou telle ou telle société copine. Euh, ça pourrait être plus facile de faire taire des contractuels qui ont, euh, bah, qui ont besoin d'avoir un autre contrat derrière, par exemple, plutôt que des agents titulaires qui, pour le coup, euh, avec cette protection du statut, pourraient jouer leur rôle de euh, protection du service public un peu plus loin, un peu plus de façon, euh, un peu plus efficace euh, du fait justement de ce statut. Donc je te laisserai aller voir parce que euh, bon, on parle pas que de ça, il hein, y a des il y a beaucoup de points dans cette interview, c'est vraiment riche en en détails. Il y a un passage que je trouve intéressant et euh, je m'arrêterai là parce que bon voilà, il y a plein de points, je te laisserai aller voir par toi-même, mais sur ce petit point-là, je voulais aussi en parler, c'est euh, je trouve ça vraiment euh, je trouve que l'exemple est vraiment pertinent et très parlant, c'est par exemple quand, euh, la question c'est est-ce euh, que c'est pas une brèche finalement dans le statut, hein, le fait d'ouvrir euh, euh, au contractuel de façon un peu plus massive. Et euh, une des réponses, c'est de dire qu'il y a certaines missions où euh, les agents c'est important qu'ils soient sous statut. Hein, pour des raisons de conflit d'intérêts, de déontologie, etc. Et euh, pour d'autres, donc sous-entendu, pour d'autres, ce serait moins important. Et l'exemple qui est pris, c'est euh, dans la petite enfance, les euh, ZATSEM. Et donc pour, euh, pour la personne interviewée, c'est que euh, bah, ces personnes doivent être sous statut parce qu'elles euh, sont dans l'école, hein, je reprends ce qui est écrit ici, dans la communauté édu éducative, et elles diffusent des valeurs. Derrière euh, ce, ce métier d'Adsem, il y a aussi une grande technicité, c'est-à-dire qu'il y a un apprentissage spécifique, c'est vraiment un métier à part entière, et non pas juste un grade, comme on peut l'avoir par exemple dans la filière administrative, où on peut être un rédacteur par exemple. Et occuper des métiers qui sont totalement différents. Et moi, ma crainte, euh, quand je vois ce genre d'exemple, c'est qu'on arrive finalement, alors à, à, sur du long terme, ce sera peut-être pas qu'avec ce projet de loi, mais en tout cas, c'est la, la vision peut-être qu'ont certains politiques, c'est de dire que finalement, les fonctionnaires, ça doit être juste sur certains postes très techniques, et que par contre, tout le petit monde autour, hein, le côté administratif, là, ça peut être, euh, on peut utiliser que des contractuels, avec comme modèle final le privé. Et euh, surtout le privé euh, dans le monde du tertiaire, donc avec une main-d'œuvre euh, interchangeable. Sauf que ici, le problème dans la fonction publique, et notamment à la territoriale, c'est que si on arrive jusque-là dans, dans le projet, eh bien, on aura plus, ce, alors pareil, beaucoup de guillemets, hein, on aura plus ce contre-pouvoir au sein de l'administration, et c'est quelque chose qui dérange, qui est un petit peu tabou aussi. Hein, tout le monde ne va pas euh, utiliser ce, terme, ce, ce genre de terme, mais euh, très clairement, quand on a une majorité d'agents, notamment administratifs, sous euh, statut, eh bien, on peut voir de temps en temps des, euh, des certaines résistances à des volontés de certains élus, bien sûr, pas tous, de euh, vouloir. Euh, privilégier le copain et donner telle subvention alors que c'est pas forcément justifié mais on va essayer de le maquiller d'une certaine façon ça moi j'ai quand même beaucoup de retours là-dessus de, de certains agents qui bien sûr veulent rester anonymes mais voilà j'ai quand même un certain nombre de retours là-dessus et encore une fois le statut permet d'avoir moins peur de ce qui peut nous arriver, même si bien sûr il y a quand même des moyens de pression. Hein. On peut être mis au placard, on peut être euh, changé de service pour quelque chose de complètement inintéressant ou euh, subir des, euh, des pressions euh, d'un chef. Enfin voilà, il y a quand même, c'est pas non plus. Euh, les, les titulaires sont pas non plus complètement euh, protégés. Il y a juste euh, statutairement qu'ils sont protégés, mais après il y a une réalité sur le terrain. Mais en tout cas, euh, ils seront pas menacés d'être virés comme un contractuel ou de pas être renouvelés. Et puis ça évite. Alors, pas complètement, il hein, y a toujours du copinage, mais euh, en tout cas, ça peut éviter euh, d'avoir un certain niveau de copinage et de se dire que euh, bah, quand, euh, en gros, que la gauche passe, pour, faire, pour dire les choses simplement, il y a des agents contractuels de gauche ou sympathisants qui sont euh, embauchés, et puis quand c'est la droite, et ben bah, euh, l'inverse se passe. Là, clairement, le fait d'avoir quand même euh, une majorité. Des agents d'une collectivité qui euh, sont là, quand même, établis dans le temps, qui euh, voguent euh, entre euh, les différents euh, changements de majorité. Ça permet euh, non pas d'avoir une bureaucratie, c'est pas ça que je suis en train de dire, c'est pas non plus l'objectif, mais ça permet d'avoir un. Une sorte de mini contre-pouvoir, très mini, il hein, faut dire les choses aussi clairement, c'est pas, pas du tout euh, une opposition euh, politique, mais ça permet quand même, je trouve, une bonne régulation des conflits d'intérêts, même si encore une fois, c'est jamais parfait. Bref, je m'arrête là parce que euh, là, c'est déjà très long, et euh, pour le reste de l'article, bah, je t'invite à, à cliquer et puis à aller le voir directement.